face au juge ce matin, Jean-François Fortin a de nouveau clamé son innocence. Jamais, selon lui, il n'a envisagé d'arranger ce match face à Nîmes en mai 2014, une rencontre décisive pour la montée du Stade Malherbe en Ligue 1. Un match nul pouvait suffire, mais je voulais gagner 3-0. Les juges lui ont aussitôt demandé pourquoi il n'avait pas fait passer ce message aussi clairement aux dirigeants nîmois avant de citer les écoutes téléphoniques policières captées le jour du match. Lorsque Jean-François Fortin déclare « si on n'est pas trop con », ce à quoi Jean-Marc Conrad, l'ex-président nîmois, répond « le président de Nîmes n'est pas trop con et il a des cadeaux pour tout le monde ». Les cadeaux, ce seraient ces fameuses caisses de vin offertes par Nîmes aux dirigeants normands. Jean-François Fortin, lui, affirme n'avoir jamais vu la moindre bouteille.